c'est Mia Logar qui récupère ce volet en zone neutre. Tenter de la remettre à Fritz Dress. Et le palais a été intercepté. Et c'est Albert qui transporte ce palais, qui la remet derrière à Carter. Oh, attention, Carter. Et le but en juin. Capitaine qui a rejoué avec Carter. Il a fait ce qu'on appelle un delay. Dirige vers la balustrade pour gagner un peu de temps. Il a rejoué avec Carter. Et Carter, Yadlowski qui. Et heureusement que Romain Chapuis arrive bien à bloquer le palais à la bleue. Et l'arbitre qui vient encore gêner Mia Logar. Oh, attention, il y a genre tout seul et le deuxième but en juin, 2-0 pour les Ducs d'Angers. Là, on s'est fait un peu attirer avec ce palais un peu compliqué pour Mia Logar dans la bande. Gagnon qui l'envoie au fond. Ouais, Poitvin qui fait presque passer Gagnon par-dessus la balustrade. Attention, il y a Gagnon qui avait coupé dans son dos, il n'avait pas vraiment suivi là, Potvin. Avec très beau travail de Coulombe qui fait tout le travail tout seul là. Hein. Quel but individuel de la barre de Coulombe. Ah ouais, il fait une belle protection de palais, derrière il se sert de une bonne technique de patin pour le couvrir encore, pour feinter à la limite un virage dans le sens inverse. On va le revoir là. La Coulombe qui remonte. Ouais, déjà, là, en tournant ses patins, il fait tourner les patins de Chabert, pardon, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est Chabert. Et, du coup, qui se met un peu en retard. Et Coulombe, du coup, qui se crée l'espace pour pouvoir attaquer la cage. Deuxième. Et Florian Hardy, le portier angevin, là, qui va être élu homme du match. Côté d'Angers. Et ouais, Florian Hardy qui fait un blanchissage. Hein. C'est normal qu'il ait élu MVP. Et côté Strasbourgeois, c'est Radek Dale, l'assistant,